Bien le bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous n'avez pas trop le moral à zéro à cause de ce gris omniprésent. Place maintenant à votre bulletin météo complet pour le lundi 31 janvier, dernier jour du premier mois. Et on va pas finir le mois sous un soleil flamboyant. Pas de soleil flamboyant, c'est vrai, excepté sur la barrière pyrénéenne, la côte méditerranéenne et le relief sud-alpin, où celui-ci sera omniprésent. Mais par contre, il faudra compter sur du vent jusqu'à 90 km/h. Le Mistral et la Tramontane vont se lever en force. Et sinon, partout ailleurs, le ciel sera chargé de trop rares éclaircies. Et même une petite onde pluvieuse s'étirera du sud-ouest jusqu'au nord-est, donnant des pluies régulières, mais très très faibles, plus de la bruine sur l'extrême sud-ouest, ainsi que de la Bourgogne jusqu'à l'Alsace et à la Lorraine. Mais attention, ça donnera des averses de neige à partir de 1000 mètres sur le nord du massif central, 700 mètres sur le nord du massif jurassien, et 500 mètres sur les Vosges, de bonnes petites chutes de neige d'ailleurs. Le vent va également être présent sur les côtes de la Manche jusqu'à 70 km/h. Côté Mercure, ça baisse à nouveau. 4 degrés de moyenne au nord comme au sud. Et pour ce lundi après-midi, la perturbation du matin va progresser petit à petit vers le sud. Elle ne donnera plus que quelques petites averses. Averses très faibles et très disparates, mais donnant des averses de neige sur le Jura et les Alpes à partir de 800 mètres et 900 mètres respectivement, 300 mètres sur le massif Vosgien, et prudence ailleurs en plaine, un petit mélange pluie-neige ne sera pas à exclure pour avoir quelques éclaircies malgré la masse nuageuse. Il faudra aller sur la baie de Somme, ou localement, ça pourrait être bien agréable, sauf côté vent, puisque lui, il va être bien présent, jusqu'à 70 km/h. 70 également le long des frontières belges, allemandes et luxembourgeoises. Et par contre, pour du plein soleil, toujours sur la côte méditerranéenne, au détriment du vent qui soufflera extrêmement fort sur l'arrière-pays varois, jusqu'à 110 km/h en rafale, 90 à 100 km/h ailleurs sur la côte méditerranéenne, 80 près du Tarn, 70 sur le massif central, et côté Mercure, ça va baisser, 8 degrés de moyenne au nord. Tout de même, localement, entre le Morbihan et la Vendée, vous pourriez avoir jusqu'à 10, pourquoi pas 11 degrés, 9 degrés au sud, là, sous le soleil varois, près de la Ciotat notamment, vous pourriez atteindre pas loin de 16 à 17 degrés. Ah non. Franchement, on quitte le mois de janvier avec un temps pourri, mais bon. Pourri de saison, un petit peu trop doux là quand même. Un tout petit peu trop doux, mais bon. On ne va attaquer que février, que début février. L'hiver est encore long. Voilà, on ne sait jamais. Place maintenant à votre éphéméride. Ce lundi 31 janvier, 31e jour de l'année, nous ferons une bise virtuelle à toutes les Marcelles au féminin, ainsi que les Nikita. Quel magnifique prénom, j'adore. Le soleil se lèvera à 8h19 et se couchera à 18h03, le coefficient de marée sera en moyenne de 84 à marée basse et de 89 à marée haute. Place maintenant à vos contributions. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain pour un prochain bulletin météo. Ciao, bye bye.